Depuis 6 ans, Anzessa organise en Martinique la première émission de télé-réalité permettant de mettre en lumière un des plus grands castings jamais organisés dans la Caraïbe. Élection qui permet à 5 jeunes Martiniquais d'être les ambassadrices de la Martinique à des concours internationaux. L'année 2009 a été une année particulièrement faste pour le comité Anzessa et donc pour la Martinique. On a eu une année riche en succès avec Ingrid Littré qui est sortie 8e à Miss Monde, avec Andy Gonvelin qui est sortie top 15 à Miss Intercontinental et prix de la photogénie. Sidji Lada qui est sortie premier en dauphine de Miss Charme à Miss Tourisme en Chine. Donc c'est vrai que toutes ces victoires ont fait que Martinique Queen est passée quand même à un stade supérieur puisqu'on est devenu l'un des référents caribéens dans l'industrie de la beauté. Cette année, fort de ses excellents résultats, le comité Anzessa a désormais fort à faire, car aujourd'hui, les organisateurs de concours du monde entier surveillent la Martinique. C'est sûr que maintenant, on fait partie des référents caribéens. Donc, les autres pays, au début, nous aimaient beaucoup. Maintenant, ils commencent à se méfier. Sous vos yeux, de jeunes Martiniquaises vont tenter de satisfaire aux exigences d'un jury impitoyable. Un seul objectif, trouver et former la nouvelle Miss Monde. Martinique Queen, cette année, un objectif, avoir une Miss Monde. Ingrid Littré a été 8e. Maintenant, moi, je veux quelqu'un dans le top 5. Ce matin-là, à la Villa Chantecler, à Cluny, 45 filles ont été présélectionnées. Déjà, on note chez les candidats de cette saison 2010 une forte détermination. C'est quelque chose vraiment que je veux depuis que je suis petite. J'ai le physique, alors je me suis dit pourquoi pas, et là, l'aperçu que j'ai eu me plaît vraiment. Avec parfois des arguments surprenants. Il y a des filles qui se démarquent, moi aussi, par rapport à mon silence. D'autres, comme Marina, sont revenus en Martinique juste pour passer le concours. En apprenant que le casting c'était le 5 et le 6 sur Madjana, j'ai décidé de rentrer par rapport à ça. Ça veut dire que forcément il va falloir faire des concessions, ouais c'est ça. Il faut se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut. Et vu que je veux réussir, donc je me donnerai les moyens, voilà. C'est là qu'en voyant toutes ces candidates, qu'on a d'ailleurs décidé, on a dit non, 10, c'est impossible à choisir là, tout de suite, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a retenu 20 candidates. 20 candidates retenues sur 45 jeunes femmes, la moitié d'entre elles devra quitter la villa dès ce soir. Le jury de Martinique Queens est composé cette année encore de Jade, jeune styliste martiniquaise. Es-tu prête à certains sacrifices physiques ? Brigitte Robinel, chorégraphe. On va s'efforcer de les prendre encore plus belles. Et Jérémy Edouard, directeur de Radio Martinique et créateur du réseau social bienglacé.com. Si on a déjà une fille qui est placée dans le top 5 de Miss Monde, c'est extraordinaire. Élodie, en troisième année d'études en tant qu'éducateur spécialisé, est la première à passer devant le jury. Au début, j'ai hésité à me présenter. Bon, ma famille m'a un petit peu poussée. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je puisse en tirer profit. Et puis après, si ça peut me donner de m'offrir des ouvertures, autant en profiter. Donc voilà. Ça a été, je pense. Après, on verra. Faut pas être trop sûr de soi non plus. Donc, on verra bien ce que ça a donné. À suivre donc, Élodie. Des candidates motivées qui, contrairement aux années précédentes, ont préparé leur passage. C'est le cas de Kirza. Si tu étais dans le top 5 de Martinique Queens, quelle serait ta première action ? Donc une image positive de la Martinique, montrer, mettre en avant le patrimoine et montrer que ça ne s'arrête pas à l'apparence, qu'on peut aller plus loin. Je n'ai pas réussi à assez emmener ni dans le regard, ni dans l'attitude, de la désapprobation ou bien justement un signe qui pourrait montrer qu'ils sont d'accord ou qu'ils approuvent, sincèrement, très impartial. Qu'en a pensé le jury ? Bien débrouillard, on s'exprime bien. Je ne suis pas fan. Pas plus que ça. Tania, 21 ans, des Trois-Îlets, est une des candidates qui, dès les présélections,
avait tapé dans l'œil du comité. Tu as fait des choses particulières avant de te présenter à ce jury aujourd'hui ou pas du tout? Physiquement, je n'ai rien fait. Par contre, je sais que j'ai des petits problèmes pour me tenir droite. Ouais. Donc j'ai essayé. En tout cas, j'ai fait des efforts pour essayer de me tenir plus droite. Après de passer devant le jury, bon, on est un peu stressé parce qu'on n'est pas sûr d'avoir pu donner l'impression qu'on aurait voulu. Qu'en pensera le jury? Moi, je dis oui. Yaël, jolie jeune femme, démarche étrange pour un casting de mode. Tu es prête à recevoir, donc à écouter, pour pouvoir justement aller le plus loin possible. Oui, je suis prête à recevoir cet enseignement. Pour moi, c'est un enseignement. Savoir défiler, savoir parler, savoir s'exprimer en public. C'est la première fois que je me présente à un casting de beauté, de Miss. Comme je suis d'un nature un peu timide, donc oui, pour moi, c'était comme un défi. Ben, ça s'est bien passé, c'est stressant au début, et puis après, ça peut aller. Angela, vraiment aussi bien que ça? Qu'est-ce qui t'attire dans l'univers des Miss, oui, des Miss? Parce qu'en fait, tu sais qu'il y a une différence entre mannequin et Miss. Ce qui m'attire, c'est à l'heure des délibérations. Le jury a rencontré les 45 candidates présélectionnées. C'est à eux de choisir qui fera partie de la Miss Academy cette saison. La 5, oui, la 5. La danseuse de ballet créole. La 17. La délibération était quand même difficile parce qu'on avait quand même 48 jolies filles. Hein. On essaie de prendre la fille qui va nous donner le moins de travail. Quoi. Je souhaite être parmi les finalistes, mais pour l'instant, je ne peux pas encore me prononcer, mais je me dis que oui, j'ai mes chances. Si je gagne ma place, tant mieux, sinon, ben, tant pis. Ça m'a fait plaisir quand même d'avoir participé. Le moment fatidique est arrivé. Certaines de ces jeunes femmes ont tout misé dans ce concours, comme Marina, qui est rentrée de Paris pour faire partie de la Miss Academy. C'est un peu de stress quand même, parce qu'on se dit que faire le déplacement et peut-être ne pas être prise, ça fait quand même quelque chose. Là, j'ai un petit peu l'esprit un petit peu troublé. C'est l'annonce des résultats. Vingt d'entre vous resteront pour la finale, pour le concours. Est-ce que vous êtes enfin prêtes, les filles? Bon, est-ce que j'ai les résultats? Nous avons les résultats entre les mains. Qui ont été sélectionnées, en tout cas, sont tout de suite prises en charge par notre équipe de relookers. Comme ça, j'aime beaucoup. Allez. Ces candidates vont passer un certain nombre d'étapes, des cours et surtout des compétitions préliminaires. Martinique Queens 2010, le conte de fées recommence.